pas. Jamais. Higo, donne-moi la maille. Donne-moi le bail où je brise la vie. Elle peut s'acheter des nouvelles fringues. Elle bosse pour nous sur Viva Street. À quoi bon on sert de jouer les dents? Yo tout le monde, c'est Arthur, comment ça va? Super bien, je vous laisse pour une nouvelle vidéo. Une vidéo genre vraiment vraiment spéciale, je peux le dire, parce qu'en fait c'est pas très simple. Je vais vous résumer ce qui va arriver, parce que là j'ai déjà tourné la vidéo et je sais déjà qu'est-ce qui s'est passé. Je vais même vous montrer, je vais commencer le montage. Bon, il y a pas longtemps, donc hop, je vais vous montrer. Allez hop, petite exclu. Voilà, j'ai fait tout, toutes les coupures. Ça m'a pris assez de temps pour vous garder les meilleurs moments. Voilà, je vous ai réservé les meilleurs moments, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, les moments ennuyants pendant la scène où j'ai tourné cette vidéo, bah je les ai tous coupés. Là je pense que, voilà, je pense que ça devrait vous plaire normalement. Bref, donc je vais vous résumer ce qui s'est passé. C'est très simple, j'ai pour but de piéger des punchers. En fait j'avais donné un rendez-vous à un, deux punchers, ouais, bon bah, plusieurs punchers, dont un qui n'est pas venu. Il n'y a qu'un seul qui est venu, mais ça avait l'air d'être un fake d'un mec qui voulait peut-être faire le buzz, j'en sais rien. Et je lui avais donné rendez-vous sur Facebook dans cette rue, parce que je sais que cette rue est réputée le jour du 31 octobre pour, voilà, pour avoir pas mal de dingueries. Maintenant, je vais dire un message à tous les abonnés les plus fidèles, les plus actifs, ceux qui, enfin, les vrais quoi. Donc voilà, donc à présent sur ma chaîne YouTube, une vidéo par jour, les potos. S'il n'y a pas une vidéo tous les jours, c'est soit que je suis mort, soit qu'on m'a pété les jambes, soit qu'il s'est passé un truc grave. Voilà, j'aime bien utiliser des expressions un peu dans l'extrait, mais bon, voilà. Vous avez compris le délire. Donc voilà, donc si vous ne recevez pas une notification tous les jours de la chaîne, donc là je parle pour les abonnés, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Donc voilà, bon bah si t'es pas abonné, bah bonne toi. Donc voilà, bref, j'ai fini l'introduction de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire, c'est pas ce commentaire. Et n'hésitez pas à partager, même liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je te dis à plus pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Wrote it, oh shit, all day, pray them niggas go away. Oh, we sell the clowns around. Yo tout le monde, c'est Atomix, comment t'es le vote, comment ça va? Super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo assez spéciale. Bon, là je vous cache pas que c'est assez spécial, parce qu'en fait j'ai redonné un rendez-vous à un concert tout simplement. Donc cette vidéo est tournée le 31 octobre. Je sais pas quand je mettrai la vidéo, parce que j'ai tourné vraiment beaucoup de vidéos aujourd'hui. En fait c'est très simple, je sais que dans cette rue il y a pas mal de concerts qui traînent. Voilà, donc j'en ai donné rendez-vous à quelques concerts dans cette rue tout simplement. Donc voilà. Et je sais qu'il y a aussi pas mal de clowns qui traînent dans les environs. Soit c'est des mecs avec juste un masque et qui s'amusent à faire peur, ou soit c'est des mecs vraiment avec un couteau et voilà, qui peut faire mal. Et là ce qu'on va faire les potes, ça va être vraiment épique. J'ai amené ça, voilà, et ça c'est pas très puissant. Donc même si je le tire dessus, même si c'est dans la tête ou quoi, ça pourrait pas vraiment très faire mal. Ça pourrait pas vraiment faire mal parce qu'il y a que 0,6 joules, un truc comme ça. Donc voilà, donc ce qu'on va faire les potes, c'est qu'avec ça, on va faire croire à un cruncher. Attends, ça fait assez flipper. Voilà. Ouais, donc là, on va faire croire à un cruncher que cette arme est vraiment, genre ça, je sais pas combien de joules, 5 joules, j'en sais rien. On va lui faire croire que c'est une bête d'arme, parce que de loin on pourrait croire. Vraiment, genre de loin. Genre, je me balade avec ça dans la rue, les gens ils ont peur. Pourtant, c'est vraiment que du plastique, hein. Enfin, voilà. Bref, les potes, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je pourrais assez faire ce que pour vous, parce que là, il est assez tard. Voilà la rue. On va se baisser parce que ça fait assez peur, mais voilà la rue où on est. Je sais pas si vous allez voir, on est comme ça, bref. Les potes, donc nous, on va marcher avec l'arme. Et on va essayer de faire part à quelques clowns. Je vais poser mes affaires ici. Bon allez les potes, c'est parti. À présent sur ma chaîne YouTube, une vidéo par jour. Dès que cette vidéo sortira, bah ça sera l'événement. Une vidéo par jour jusqu'à ma mort les potes. J'ai vraiment fait, enfin, bon, c'est une expression quoi, vous savez compris le délire. Mais voilà, c'est juste pour dire que je vais faire une vidéo par jour. Et que s'il n'y a pas de vidéo par jour tous les jours, c'est je suis mort, on m'a pété les jambes. Il s'est passé vraiment très grave. Se mettre par là pour essayer de piéger un culture. On va essayer de faire. Ah, je suis tout seul, je finis tout seul, les potes. Bref. On va essayer de faire croire à un clown. Eh, c'est chaud de filmer en même temps, donc je peux en faire. C'est que. Vous allez me dire si vous aimez bien. Gros, comme toi. Si vous aimez bien cette vie, parce que. Ah, j'ai un assez grand.
enfin une de ses grandes perches. J'espère que ça... Non, on va baisser parce que là, on se fait trop remarquer. Voilà, je vais vous montrer la hauteur que ça va. C'est vraiment pour vous que je fais ça. Et voilà, on va essayer de faire croire à un mec que c'est armé. C'est archi chelou. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a vraiment à ce temps-là, il y a des trucs chelous dans cette rue. Parce que c'est un quartier assez chaud. Faut bête. Donc voilà, normalement. Dans cette rue, il y a pas mal de clowns. Oh, fils de pute! Bouge pas, bouge pas! Bouge pas mec. Hé hey. Gros, je te tire avec ça mec, t'es fini. Hé hey, tu repars avec avec des... Gros, je te tire un pont avec ça, t'es fini gros. Hé hey, écarte-toi. Hé hey, c'est trop assuré, écarte-toi. Casse-toi petit fils de pute. Casse-toi. Hé hey, ça, je te tire un pont avec ça mec, t'es... Tu saignes hein. Hey, vas-y, je change, je m'en bats. Je charge, casse-toi. Petite pute, va. Casse-toi. La vie de ma mère, casse-toi. Arrête. Eh gros, je rigole pas. En fait, c'est ta petite porte. Vas-y, viens. Amène-toi. Eh gros, amène-toi. Je m'en bats les couilles. Eh, je portais mes couilles, gros. Je m'en bats les couilles. Eh, petit fils de pute. Et gâche la petite pute, va. Je m'en bats les couilles. Tu fils de pute, bouge pas. Bon, les potes, je les appuie. Si je l'ai tapé derrière un masque. Vas-y, enlève ton masque. Enlève ton masque, ta mère. Et je repartirai. Tu fils de pute.